Vas-y. Voilà, vertufight.com. Donc, Daflex, Dad Do It From Behind. À mes côtés, Ketchupi, Dadou, Younes, Mehdi, MCP, Strasbourg. Bon, ça c'était une partie de la Dream Team France. Donc, ce message, c'est un coup de gueule. Donc, le public français, franchement, vous m'avez écœuré. Là, j'ai un profond dégoût pour le public français. Vous nous avez absolument pas respecté du tout. Le battle, on l'a sué sang et eau pendant un mois entier. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de peine, il y a eu des doutes. On était motivés, surmotivés pour faire des trucs bien. On s'est cassé le cul à travailler des chorés, des combinaisons. On n'était même pas sûr que ça allait passer et pourtant on a réussi à le faire. Moi personnellement, je tiens à remercier Yuval. C'est clair et net. Yuval ainsi que tout le staff Vertify pour nous avoir donné notre chance. Moi par contre, public français, moi je vous remercie absolument pas. Le public français qui était dans la salle. Le public français qui était dans la salle, je vous félicite absolument pas. Vous m'avez écœuré. Ce que vous avez fait, c'est un gros manque de respect. C'est inacceptable. Est-ce que vous voyez un truc pareil? Quand vous faites votre propre battle, vous essayez de vous faire un blaze et à ce moment-là, les gens ils se barrent au profit d'une équipe plus cotée alors que vous essayez de briller. Alors que cette équipe plus cotée n'aurait même pas dû danser au moment où vous dansiez. C'est ça la base de l'histoire. Forcément. Quand il s'agit de Kamel Milliard et... Quand il s'agit de Kamel et de Spock, ça gueule. Voilà. Milliard. Il est où? Il est là. Où? Milliard. Ouais, Milliard. Voilà. Hey, tu déconnes. Moi j'ai fait quoi? Bah tu danses en même temps que leur événement. Non, c'est-à-dire que une partie de la RK était en train de danser pendant que nous on était en train de faire notre Dream Team France contre la Suisse. Et si la RK elle danse contre la Suisse, forcément ça attire tout le monde. Voilà. Ah, donc ça va être polémiqué là-dessus. D'accord, ce n'est pas une question de méchant. La Dream Team France a été pour aujourd'hui, la vie de ma mère. Je dis clairement, la Dream Team France a été archi nulle. Bah, voilà, vous voulez parler, je vais parler. Ce n'est pas une question de parler. Elle était pétée. Elle était pétée. Mais regarde ce qu'il veut, moi. Vous voulez m'assassiner, George House. Elle était pétée. Pourquoi? Vous changez les membres à une semaine d'un événement. Moi, la dernière fois que j'ai organisé France-Suisse, les gens ils sont venus à l'entraînement. Voilà, si vous savez pas gérer une Team France, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez pas su gérer votre battle. Après, c'est normal que personne vous regarde si vous êtes pété. Moi, je dis la vérité, je dis ce qui est. Vous avez été pété, moi j'ai pas regardé, voilà. J'étais en train de préparer mon battle, je suis revenu, je vois que personne regarde, je vais pas me mettre à regarder. Même la caméra elle était partie. Vous voulez être méchant, vous voulez m'attaquer moi, mais y'a pas de soucis. Moi okay, je dis, d'accord. Si vous préparez votre battle correctement, moi je regarderai. La vidéo n'a rien qui a été préparé correctement, d'accord. Voilà, moi je suis méchant aussi. Déjà voilà, un, pour commencer, pour moi l'équipe elle n'était pas pétée. Peut-être qu'il y a eu des problèmes. Mais hey, s'il vous plaît, c'est important. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, ça c'est clair. Mais c'est ce qui arrive quand c'est une équipe qui a été faite avec des personnes qui viennent d'autre part que de Paris. Déjà pour commencer. Pour l'instant, on n'allumait personne. Mais ce qu'on est dire, c'est que peut-être qu'on était pété, mais quand même, c'est un manque de respect. Ça se fait pas. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas juste un manque de respect. Moi, je suis arrivé en plein milieu du battle. S'il vous plaît, les filles. Je suis arrivé en plein milieu de ce battle. Mets-toi à notre place, 2 secondes. Je me mets à votre place. Je vais regarder le battle. Le battle, il n'y avait plus rien, c'était deux lignes, c'est ça que ça m'a tué. Au moment où je suis arrivé, moi j'ai pas vu les chorégraphies, j'ai rien vu du tout. J'ai été un peu méchant parce que j'aime pas qu'on m'attaque, d'accord. Je m'excuse directement, voilà, j'ai été un peu méchant. Mais moi j'arrive à plein milieu d'un battle, j'ai été me préparer parce que j'avais mis l'artexi. Juste avant, il y avait Spock avec moi, j'étais avec lui en train de me préparer. Au moment où je suis arrivé, on m'a dit Skips qui danse, parce que honnêtement, moi la Dream Team France, honnêtement, je connaissais personne à part Skips et toi, d'accord, pour qui j'ai un énorme respect. Voilà, moi je suis venu, j'ai voulu regarder, j'ai vu ce qui était, j'ai vu c'était pourri, je vais pas me regarder, si je m'ennuie, je vais pas me forcer à regarder un truc. Et je pense que le public a fait pareil. Si le truc il était pas propre par truc, je vais pas me forcer à regarder. C'est pas question de respect. C'est pour moi, c'est pas une question de respect, c'est une question que si t'aimes pas, tu vas pas te forcer à regarder par je m'ennuyais, j'ai été me faire mes affaires. Même la caméra, vous filmez. Honnêtement, Daflex, les gens ils sont partis à partir de combien de temps de visibilité sur l'événement? Quand tous les grosses têtes sont partis. Hein? Quand toutes les grosses têtes sont partis. Voilà, voilà, parce que c'est 3 minutes skip, à 5 minutes. Sale. 3 minutes à 5 minutes. Mais je pense non, que je suis resté. Non, parce que j'ai regardé ma montre, il y avait déjà 10 minutes de battle qui était déjà passé. Sur 10 minutes, t'as le temps de faire la différence, de faire des chorés qui font crier le monde et. Voilà, quand après il y a du travail. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé, dès le départ au battle, on a essayé de fédérer carrément tout le public. Le public n'était absolument pas réceptif du tout. Donc franchement, déjà un, c'est démotivant.
Attends, moi je vais donner mon avis, mais hors caméra, je peux couper? Non, non, deux secondes. Moi ce que je parle, quand je dis pourri la Team France, je parle pas de niveau individuel. Attention, j'ai vu, je sais, je connais les gens qui ont fait la Team France, je sais les individualités, ils sont bonnes. Mais je parle effet de groupe, je sais pas, il n'y avait pas d'effet de groupe. Moi j'ai pas regardé le début, je parle juste de ce que j'ai vu. J'ai vu deux lignes, que ce soit du côté de la Suisse comme du côté de la France, deux lignes, deux mecs qui s'affrontaient. Je préfère aller voir, franchement, je préfère aller voir Suarez qui est aussi à côté. Je suis d'accord, moi c'est comme ça que je raisonne. Après ça c'est ton point de vue, ça c'est clair. Non, oui. Mais bon, après moi après, je j'ai pas dis, vu les combis, après pour des mecs comme nous, après pour des mecs comme nous que franchement on est. Moi pour ma part, t'as vu, je suis un mec qui place des comme sur un forum, j'essaie d'aider un maximum de gens. Les gens ils se disent dans leur tête, ouais, ils parlent, mais ils dansent pas. Mais Deflex, tu as conscience qu'à partir du moment où tu t'occupes de la Dream Team France, t'as une responsabilité, on est d'accord ou pas? Mais bien sûr. Donc les gens, est-ce que les gens ils sont en droit d'attendre un niveau à la hauteur d'une affiche telle que France vs Suisse? Et parce que quand la première fois qu'on a fait France avec l'équipe de Milliard, bah, au niveau des combis, au niveau de niveau, c'était, laisse tomber. C'était tellement une grosse raclée qu'il a fallu que je prenne une team au niveau de la Suisse et de la Belgique. Pour que tu comprennes un peu mieux. Parce que je voulais dire aussi, Daflex, c'était moi aussi un petit peu. C'est pas lui qui a choisi les membres de la team. Par rapport à Daflex, c'est que c'est bien lui, je me trompe pas, c'est bien lui qui gère la team. Pourquoi tu laisses, moi j'ai un peu assisté, tu vois, j'étais là de temps en temps, deux, trois entraînements. Je comprends pas pourquoi tu laisses les gens remplacer ta team. J'entends par exemple, je sais pas où est-ce qu'il est le petit cartoon, j'entends les cartoons qui choisissent ces mecs à ta place. Si c'est ta team, c'est toi qui gères. Si tu laisses après tu laisses les gens gérer. C'est vrai que lui, c'est lui qui gère. Hein. Quand je dis Milliard, il y a tous ceux qui partent, je m'en bats les couilles. C'est lui le responsable. C'est lui le boss. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Plus de pouvoir que moi. La Suisse, moi, je leur parle de temps en temps sur MSN, tout ça. Leur team, elle était là depuis le début, ils ont pas bougé. Après, je sais pas si vous ont mis votre dose ou pas, j'ai pas vu. Tu vois. Mais ils étaient carrés, ils sont venus avec leur groupe, ça a pas fait 10 000 polémiques sur le forum, rien du tout. Ils sont venus, ils ont fait leur groupe. On a eu des problèmes, je te le cacherai pas. On a eu des problèmes, on a eu des moments de doute. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, on avait fait confiance à des gens qu'on pensait être vraiment fiables. Ce ne fut pas le cas. En l'occurrence, pas mal. Je vais pas donner de nom, sincèrement. Je vais pas donner de nom. Non, Jamais, je vais pas donner de nom. Jamais, t'as jamais balancé de nom de ta vie, toi. Arrête, s'il te plaît. Non. Je vais pas donner de blase. Mais il y a des gens sur lesquels on comptait sincèrement. Ils nous ont fait faux bond. Donc, moi, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Sincèrement, j'ai essayé. En plus de ça, moi, c'est pour dire. Je suis allé chercher, par exemple, un gars au vertige de Nancy. Parce que, déjà, personnellement, c'était mon coup de cœur. Je l'avais affronté. Je voulais l'affronter. Bon. Les choses ont. Bon, t'as choisi ta team, quoi. J'ai choisi ma team. Attends, finaliste, comme ça, moi, je dis juste ce que j'avais à dire. Je m'excuse de ne pas avoir vu le battle. J'étais en train de me préparer, mais il n'y avait pas que moi. Il y avait tout le public qui n'était pas là, donc faut pas remettre la cause sur la RK qui faisait de la house. La house, elle a commencé au moment où je suis arrivé. Mais un petit peu avant, ça avait déjà bien commencé, les gens n'étaient pas là, d'accord. Donc je m'en excuse si j'ai pas regardé le Dream Team France, j'avoue que c'est un peu un manque de respect. Mais la prochaine fois, faites un truc plus carré, les gens vont regarder. Non, mais le truc on va terminer là-dessus, peace.